Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va nickel. Je viens de voir une annonce sur Marketplace, que c'est une sorte de vide maison, vide garage. Je sais pas trop, d'après les images, ça va être dans leur garage. Alors, elles vendaient plein d'habits, de mangas, de CD, de DVD, et puis bien sûr de jeux vidéo. Alors, elles faisaient pas de liste. D'après ce que j'ai vu, d'après les images, j'avais du PlayStation 3, la Dreamcast, la Wii, et puis peut-être autre chose, mais je sais pas. Elle a mis que quelques photos, et puis voilà. Elle faisait aucune photo pour aucune photo de ses jeux. Donc, je vais peut-être aller pour rien, mais bon, ça vaut la peine. Tous les jeux sont à 5 francs. Alors, il n'y a pas de négociation possible. C'était bien marqué à 5 francs. Voilà, bon, allez. Je tente ma chance, on verra bien. Allez, à toutes! Bon, ouais. Oui, je suis très content. C'est tout à 5 francs, c'est ça? D'accord. Oui, certains, oui, c'est clair.
C'est parti pour le débrief. Bon, alors, c'était une sorte de vide maison. Elle avait tout mis dans son garage et devant son garage. Il y avait des habits, des CD de musique, des mangas, des livres et puis bien sûr, des jeux vidéo. Voilà. Alors, j'ai bien fait d'y aller. Il y avait pas mal de bonnes petites pièces. Franchement, je suis super content. Bon, allez. Alors, il y avait pas mal de pièces que j'ai déjà. Ça sera pour la pour un échange ou la revente. Et puis, il y a d'autres pièces que je n'avais pas, évidemment. Bon, allez, c'est parti. Alors, en tout premier, King of Fighters 13. Voilà. Il est complet. Il y a les deux CD. Voilà. CD bonus. Puis, le jeu. Il est en full français, ça c'est extraordinaire. Alors cela, j'ai déjà. Il faut juste que je regarde si le mien il est bien complet. Parce qu'il y a, le poster, il y a un poster qui m'intrigue. Alors le premier côté du poster, là, c'est, il y a tous les personnages avec tous les coups spéciaux. Voilà. Et puis l'autre côté, ah oui, je vais quand même vous montrer. C'est la magnifique Mei. Voilà. Juste magnifique. Voilà. Après. Alors ça, je vous laisse lire parce que voilà, j'ai pas envie d'écorcher le nom. C'est un jeu de robot de mecha. Il est complet. Il est aussi en full français. Je suis super content de l'avoir parce que je fais aussi de la collection de cette licence-là. Il y en a pas mal qui sont sortis. Il y en a pas mal. Alors, franchement, très content. Ah ouais, c'est... Voilà. C'est un jeu de robot. Tu peux personnaliser ton robot. Et puis, tu dois tout détruire. Voilà. Très content. Alors, je vous rappelle juste que tous les jeux étaient à 5 francs, 5 euros. Après... Le Asura Wark, je sais pas si je dis juste, voilà. Il est complet, c'est une sorte d'aventure beat'em all. Il est aussi en full français, alors ça, je sais pas du tout si je vais le garder. Ça sera peut-être pour un échange, je verrai. Après là, je suis super content, franchement là, je pensais pas du tout tomber dessus. Je vous l'avais vu dans la vidéo. C'est le Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Yes! Il est complet. Oh, et puis, il est en full français. Nickel. Il regroupe le tout premier Budokai et le troisième qui était sorti à l'époque sur PlayStation 2. Voilà. J'avais joué à l'époque au premier. Franchement, il était vachement bien. J'avais vachement bien adoré. Franchement, c'était... De toute façon... Quand tu joues à un Dragon Ball Z et puis tu tombes sur les personnages de cette licence, c'est juste magnifique. Voilà. Yes. Après, le BlazBlue. Excellent ça. Excellent jeu de combat aussi. Il est complet. Alors cela, je l'ai déjà. Ça sera pour un échange ou la revente. Voilà. Très content. C'est une magnifique licence. Les combats sont... super dynamique, les couleurs sont juste magnifiques, c'est style manga, les couleurs aussi.
Voilà, juste, de toute façon, il était élu meilleur jeu de l'année, c'était en 2010, je crois, voilà. Voilà, nickel ce jeu, nickel. Le dernier jeu PlayStation 3, je vais le garder pour la fin. J'ai pris deux jeux Dreamcast, le tout premier, No Man's Soul, un jeu d'aventure de Quantic Dream. C'est ceux qui ont fait Beyond Two Souls, Detroit Become Human et puis Evil Rain. Des jeux juste magnifiques, voilà. Alors, je l'ai déjà, ça sera pour un échange ou la revente. Le deuxième jeu, c'est le Sonic 2 Aventure, voilà. En fait, il y a juste la notice. Et il y a un deuxième CD, alors... Le Sonic Dance, alors je sais pas du tout, voilà, aucune idée, ça, dites-moi qu'est-ce que c'est, c'est peut-être un jeu de, non pas un jeu, c'est une musique, voilà ce que je voulais dire, voilà. Alors en fait, il manque la notice, mais bon, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a quelques années en arrière, j'avais acheté un lot de Dream, en fait, il y avait le Sonic 2, mais il n'y avait pas le jeu, et puis la boîte était complètement défoncée, mais il y avait la notice, et puis il y avait les deux... la jaquette arrière puis la jaquette de derrière, voilà. Donc ça va très bien, il est complet maintenant. Voilà, nickel. J'ai pris un jeu, oui, c'est le Zelda Twilight Princess, super content, surtout qu'il est neuf, encore sous blister, ça c'est juste magnifique. Je l'avais déjà, bon ça voilà. Nickel. Bon, Zelda, tout le monde connaît, c'est bon. Il y avait aussi un jeu PlayStation 1, mais je ne l'ai pas là. Il est déjà parti pour un échange. C'était le Final Fantasy 9. Un excellent jeu aussi. Bon, le 8, c'est le meilleur, mais bon, voilà. C'est personnel. Mais il n'y avait pas la notice, mais bon. Il est parti quand même, alors c'est nickel, je suis très content. Après, le dernier, c'est un jeu PlayStation 3. C'est le Dragon Scroll. Voilà. Il est complet. C'est un action RPG beat'em all, Hero Fantasy. Voilà. C'était à l'époque une exclusivité PlayStation 3. Voilà. Alors tu peux incarner 6 personnages différents. T'as une sorcière, t'as un nain, t'as une amazone, t'as un sorcier, t'as un elfe, une sorte de voleur elfe. Et puis t'as un chevalier. Voilà. J'avais dit à l'époque une exclusivité PlayStation 3 parce que malheureusement celui-là il est qu'en anglais avec les voix anglais, japonais mais sous-titrées qu'en anglais. Mais ils ont sorti sur PlayStation 4, ils l'ont ressorti sur PlayStation 4, voilà. Le Dragon Scroll Pro, moi j'ai l'édition Steelbook, alors je sais pas s'il y a une autre édition, aucune idée. Il est complet aussi avec la petite... pochette avec des cartes. Et puis celui-là, la différence, c'est que il est sous-titré en français. Voilà. Ah, enfin. Franchement, dès que j'ai su qu'il était sous-titré en français, j'ai tout de suite acheté. Et puis j'ai tout de suite joué. Et franchement, il est juste magnifique ce jeu. Magnifique. Voilà. Et puis ceux qui veulent aller plus loin dans cette licence, il y a aussi, je le montre comme ça, c'est fait. Voilà. Le manga, voilà. Alors, il est assez épais, il n'y a qu'un seul volume. Il reprend exactement les mêmes personnages du jeu vidéo. T'as la sorcière, t'as la voleuse elfe, t'as le chevalier, t'as l'amazone, super musclé, t'as le nain et t'as le magicien, voilà. Alors, c'est plusieurs petites histoires, mais franchement, moi, j'ai bien aimé ce manga. Il est excellent. Bon voilà, en tout ça fait 10 jeux à 5 francs, 5 euros, ça faisait 50 francs, 50 euros, voilà, c'est nickel. Je vais pas trop essayer de négocier, j'aurais peut-être essayer d'en prendre un, et puis de faire à 50 francs, mais bon. Voilà, j'aurais dû peut-être, mais aucune idée. Voilà, ce qui est fait est fait. Voilà. Alors si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez plein de pouces bleus, s'il vous plaît, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour louper aucune de mes futures vidéos. Et le plus important, prenez soin de vous. Allez, à plus!